La naissance du cinéma en 1896 marqua le début d'une nouvelle ère sur le plan des divertissements et des communications. Les frères Lumière, inventeurs de la cinématographie, n'avaient sans doute pas compris l'importance de ce média puissant quand ils ont réalisé leur premier court-métrage représentant la vie quotidienne. Ils ne savaient guère qu'ils lançaient une révolution qui allait influencer des millions de vies dans le monde entier. En Inde, Dada Saheb Phalke était l'un des premiers visionnaires à reconnaître le potentiel du cinéma et il consacra sa vie à perfectionner cet art très moderne, très déterminé par la technique, en puisant dans les sources de notre mythologie. Ses premiers films muets étaient un plaisir à voir, pleins d'effets spéciaux représentant des incidents tirés des grandes épopées du Ramayana et du Mahabharata. Avec l'avènement du son, le cinéma se mit à puiser son inspiration dans les pièces dansées sanskrites et dans le théâtre Parsi. Cela conduisit à la création de spectacles immenses, aux décors extravagants, aux costumes recherchés et beaucoup de chants qui transportaient dans un monde de fantaisie. Une première tentative de Baba Rao Panter, au sombre réalisme dans son film Sarkar et Pash, ne connut pas de succès. L'auditoire voulait se divertir. Il voulait des histoires fantaisistes et grandioses, entrecoupées de musique de sorte que la formule chant et danse devint l'ingrédient essentiel pour la réussite commerciale des films. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है Néanmoins, périodiquement, des réalisateurs et écrivains, sous l'influence du néo-réalisme italien et du cinéma français, s'efforçaient d'évoluer un mouvement parallèle, un cinéma qui porterait l'attention sur les très réels et tragiques problèmes sociaux. Le cinéma est un mélange fascinant de mythes et réalités, puisant son inspiration dans la mythologie, la littérature, le théâtre et l'expérience de la vie réelle. C'est une fusion de ces formes d'art mais a néanmoins son caractère propre. Shama Zaidi grandit dans un milieu de théâtre. Elle fit des études dans la création des costumes et des décors à l'école d'art Slate à Londres. Elle adopta ensuite le milieu du cinéma, dans lequel elle eut une longue carrière illustre, pour devenir aujourd'hui l'un des professionnels les plus respectés du milieu. Mise en scène, réalisation, création de costumes et de scénarios, Shama a fait tout cela. Née dans une famille fort cultivée, Shama est la fille de Begum Kutsia Zaidi, qui avait lancé le théâtre hindoustani aux années 1940, à l'époque où on attendait des femmes qu'elles ne s'occupent que du seul foyer. Alors que Shama était en Allemagne, le théâtre hindoustani prit un grand essor. M.S. Satyu, un jeune réalisateur de Bombay, adhéra à ce mouvement. Nous l'avions lancé en tant que théâtre semi-professionnel, ce qui veut dire que des gens, exerçant différents métiers, venaient le soir pour répéter, après leur travail, et qu'ils étaient payés pour cela. C'est à cette époque que des liens étroits se forgèrent entre Sharma et M.S. Satyu et ils se marièrent. Ils déménagèrent ensuite pour vivre à Bombay, où Shama s'associa à un autre groupe de théâtre, l'IPTA, l'Indian People's Theatre Association, où elle traduisit et mit en scène nombreuses pièces dont elle créait les costumes, travaillant aussi dans les coulisses.
À part son association avec le théâtre, Chama se mit à écrire des scénarios pour films. Son premier scénario, pour le film Garam Hawa, tiré de l'histoire écrite par Ismat Chugdai, et réalisé avec sensibilité par son mari, fut acclamé par les critiques et remporta le prix Filmfare, fort prestigieux pour le meilleur scénario. Il racontait d'autres histoires, d'autres sentiments, comme ceux d'une vieille femme qui ne désire pas quitter sa demeure ni ce pays auquel elle est attachée. Elle ne veut pas mourir ailleurs, dans un pays étranger, car elle souhaite être ensevelie auprès de son époux décédé. बाखर मिया जी अब जी चलिए दादी अम्मा चलिए चलिए उठिए चलिए 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 दादा चलिए चलिए खड़े हो जाइए आइए आइए उठा लो उठा लो क्यों सता रहा है मुझे दादी अम्मा इस तरह से तुम कर दे मुझे यही छोड़ दे मुझे नहीं मरने दे चलिए चलिए यहाँ से मत बच्चों जैसी बातें करती हैं आप भी La compétence spéciale de Chama pour décrire un milieu particulier et sa caractérisation méticuleuse attirèrent l'attention de Shyam Benegal, un réalisateur considéré comme un pionnier du mouvement du cinéma Nouvelle Vague des années 1970. Je m'étais déjà rendu compte de toutes ses qualités pour lesquelles elle est maintenant bien connue. C'est une personne qui a plusieurs cordes à son arc. Elle a fait du bon travail comme réalisatrice, scénariste et dans la conceptualisation. You're in the wrong compartment. All natives to travel in the van. Come on, Sammy, don't give us any trouble. I was issued a ticket for this compartment, and I insist on going in it. No, you won't. I will not leave this compartment. Where does it say reserved for Europeans only? Please show me. Get off my train. Aren't you girls, Sammy? I will not leave the van. I will protest to the authorities. Chama se mit à écrire les scénarios de films et cette collaboration a continué pendant près de trois décennies. La première collaboration de Chama avec Shyam Benegal était dans le film Charan Das Chor, comprenant quatre personnages. Charan Das Chor était un film pour enfants et le scénario n'était pas comme pour les adultes, car ces enfants étaient illettrés. Je leur donnais un dialogue et à la première prise, ils le disaient comme il fallait, mais à la deuxième prise, ils oubliaient et disaient autre chose. C'était très intéressant, parce qu'ils parlaient selon le sentiment qu'ils leur prenaient. J'ai eu tant de joie à travailler avec ces quatre enfants, qui n'avaient jamais fait du cinéma, mais qui néanmoins étaient tellement mus par l'ambiance, ils avaient un si grand sens de la communauté, de la continuité. Tout ce dont ils se souvenaient par la suite, c'était des costumes qu'ils avaient portés dans une scène donnée. Acclamée comme rechercheur par excellence, Chama est une scénariste sérieuse qui a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Satyajit Ray, M.S. Satyu et Shyam Benegal, entre autres. Sa dédication à l'authenticité et aux détails est évidente dans sa caractérisation bien dépeinte et ses scénarios pleins de sensibilité. C'est une documentaliste exceptionnelle. Et c'est un de ses points forts. Bharate Koch est, à mon avis, un ouvrage monumental. Jodhpur ke Raja Jaswant Singh ke 30,000 Rajput हर रास्ते में निगरानी कर रहे हैं आला हजरत को या उनकी लाश को Elle conduit des recherches minutieuses, ce qui constitue sa force. Pour l'œuvre monumentale Bharat El Khoj, c'est elle qui a mené les recherches et rédigé l'ensemble du scénario. Il y avait environ 12 à 14 personnes qui rédigeaient les textes, mais c'est elle qui contribuait aux faits essentiels à travers ses recherches en se référant à 22 historiens différents du pays avec lesquels elle gardait le contact simultanément. C'était un travail énorme.
Ce n'était donc pas étonnant que lorsque le grand maître Satyajit Ray décida de réaliser son premier film de langue hindi, Shama fit partie du projet. Bien qu'officiellement elle soit engagée pour créer les costumes, sa maîtrise de nombreux domaines et ses connaissances du milieu la conduisirent finalement à en être la scénariste. Satyajit Ray me demanda aussi de poursuivre des recherches pour le scénario, qui à l'origine devait être dans le genre comique délirant. C'est ainsi qu'il l'avait envisagé. Quand après plusieurs mois de travail, le scénario était prêt, il me dit « Pourquoi ne pas écrire vous-même les dialogues ?» Il s'agissait essentiellement de traduire, mais c'était de la traduction créative. Please tell His Majesty that I have no use for that. Ye Rajdin Sahab ki kisi kaam ki nahi hai. Aap hamari dastar to le sakte hain, Rajdin Sahab. Dastakhat nahi le sakte. Aap baazi haar rahe hain, isiliye aap is qisam ki baatein kar rahe hain. Kaun kambakht haar raha hai? Hum to apni chaal bhi chal chuke hain. Aapki baari hai, aap chaliye. Aapne kitni dafa hame haraya hai aur hamari theory par bal tak nahi aaya. Aap chaal chaliye mere sahab. Aur aap hai ke jaame se bahar hote ja rahe hain. ये तरीके शरीफों के नहीं होते हम कहां के शरीफ शरीफ तो वो लोग हैं जिनकी बीवियां हर अरे गहरे को अपनी खाबगाह में बुला लें और जा तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कह सकते तुम अपने औकात भूल रहे हो बाप दादा तुम्हारी घास खिला करते थे और तुम्हें क्या अपने आप को नवाबजादा कहलाते हो और तेरा खानदान क्या था कल तक रईसों के बावजूद Satyajit Ray organisait méticuleusement à l'avance ses prises et tout dont il avait besoin était inscrit sur papier ce qui conduisait à de grandes économies. Je me rappelle une scène, je crois que c'était avec Vina, qui jouait le rôle de la mère de Vajid Ali Shah, qui devait être prise à mi-hauteur. Il demanda donc qu'elle ne porte que la partie supérieure du costume donné, mais elle protesta, disant qu'elle ne pourrait pas bien jouer comme ça. Il nous fallut donc préparer le costume entier, mais lui-même aurait volontiers tourné la scène autrement. लॉर्ड साहब कंपनी के नौकर हैं या नहीं हैं? L'association de Shama avec un film ne cesse pas avec la rédaction du scénario, car elle s'engage jusqu'au fond dans le processus entier. Elle surveille les costumes, les accessoires, l'énonciation des dialogues et ainsi de suite. Special. I'd have used a much stronger word, Weston. I'd have said a bad king. A frivolous, effeminate, irresponsible, worthless king. He's not the first eccentric in the world. Well, I know he's not the first, but he certainly deserves to be the last. We've put up with this nonsense long enough. Eunuchs, fiddlers, notch girls, mutter wives, and God knows what else. He can't rule, he has no wish to rule, and therefore he has no business to rule. Du temps de Richard Attenborough, il souhaita ajouter un peu plus à son rôle que prévu dans le texte original. Il ajouta donc une scène, et lorsqu'on la coupa lors du montage, je lui expliquai que la scène n'était pas vraiment nécessaire. Mais il présenta des arguments et écrivit même une lettre pour justifier ce qu'il avait fait, alors que j'en savais bien la raison. Il me convoqua donc à la section montage de la division du film, me montra la tranche, me dit « La voilà ». Et l'élimina d'un bout à l'autre. Pour le détail des costumes, il venait faire les achats avec moi et choisissait chaque pan de tissu. Mais une fois persuadé que je savais ce qu'il voulait, alors il me laissait faire. Mais jusqu'à ce moment, il entrait dans tous les détails. Après avoir travaillé avec Satyajit Ray, que pensait Shama du style de travail de Shyam Benegal? Shama improvise beaucoup. Il le fait moins à présent, parce que ses comédiens ont beaucoup de travail. Mais au début, c'était un peu comme avec une troupe de province. Tous les personnages devaient être toujours présents. Ainsi, au cas où le rôle d'un comédien sera prolongé, il devait être là. Ce n'est plus le cas. Il faut faire très attention aux dates et faire un travail de préparation. Mais avant, comme avec Trikal, il nous exposait d'abord le jeu et puis nous participions au fur et à mesure à la création du film. और वो सज्जन जो बिस्तर पर लेटे हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मर चुके हैं Ernesto Sousa Suarez मेरा सब कुछ यही है
मामा सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। Je préfère la voir auprès de moi quand j'envisage le traitement d'un film, car elle a le don merveilleux des idées sur les séquences et scènes et nombreux autres aspects d'un film, et elle offre bien des apports intéressants pour hausser la valeur du film. अब इसको कौन समझाएगा कि धोखा इसको श्रीकांत हिच दिया हम लोग ने ओह मां कटी पतंग की तरह जिंदगी होती है हम औरतों की oh, हवा के थपेड़े न जाने कहां लगे पटक देते Parfois, il advient qu'il se présente une sorte de logique organique qui commence à évoluer à mesure qu'on tourne le film. Quelque chose qui n'était pas évident dans le texte. Dans une telle situation, sa présence s'avère très utile, parce qu'alors on peut en discuter et se mettre tout de suite à faire le nécessaire. Je ne prétends pas jouir d'une indépendance en tant que scénariste, car on écrit normalement un scénario gardant à l'esprit celui qui va le réaliser et ses sensibilités propres. Pour moi, le principal, c'est que je devrais pouvoir lui communiquer mes concepts. Et le principal pour elle, c'est qu'elle puisse traduire ses concepts de sorte que je puisse réaliser le film. Par exemple, prenons Salvargos, pour lequel nous avons discuté du concept lui-même. Et dès après, elle m'a remis le scénario. अगर फिर से तू उस लड़की के घर गया या उससे बात की तो खाल खींच के रख दूंगा तेरी आए हाय बड़का मजनू बनत फिरत है अरे हम दो ही दिन खाए का न दे तबई होश ठिकाने आए कमबख्त बाप की नाक कटवावत है बिरादरी में इनका मजाक बनाई दे अजी हमरी मानो हम तो ई कहे कि लड़के का कहीं ब्याह कर दो जल्दी से हां हरामी साले Parallèlement aux traductions et adaptations des scénarios, Chama a écrit aussi des scénarios originels pour des films tels que Sussman et Hari Bari, basés sur des problèmes sociaux. Eh bien, Hari Bari était un film dont la commande fut passée par le ministère de la Santé, voué à l'octroi du pouvoir de décision aux femmes. Il existe beaucoup de cas d'école sur la santé, et j'en ai adapté pour réaliser ce film. Bhabhi ne opération kara liya. बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन अल्लाह खैर करे कह दो कि ये सच नहीं है तुमसे पूछ के जाती तो तुम इजाजत देती क्या पर किया क्यों क्यों किया इसलिए कि मुझे अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा था बच्चा जनते जनते मेरी सेहत खराब हो रही थी किसी को मेरी सेहत की फिक्र नहीं Sussman encore était voué aux coopératives des tisserands. Les cinéastes plus jeunes comprennent maintenant le langage du cinéma. Autrefois, nous nous servions du soi-disant style indien de réalisation du film hindi. Ayant son origine en réalité dans notre théâtre folklorique. Désormais, les cinéastes suivent le courant dominant des films de Hollywood, et c'est pourquoi nos films sont acceptés à l'étranger. Le langage du cinéma est certes devenu plus international. Elle a la capacité merveilleuse
de vous prendre à rebours poil. Ce qui, pour nous, ses amis, est une chose souvent très marrante. Mais, avec des inconnus, ça crée quelquefois quelques problèmes avec ceux qui ne la connaissent pas. भी कन्हाई होगी जग हंसा